coucou, je m'appelle Léo Caddy et je suis contente d'être arrivée. Donc je pratique le parachutisme à haut niveau, je fais de la précision d'atterrissage, de la voltige. J'ai 3800 sauts à mon actif et je suis championne du monde militaire en voltige et vice-championne du monde en civil. J'ai commencé le parachutisme à 15 ans, c'est l'âge réglementaire en France. Donc dans le parachutisme, on a plusieurs disciplines. On a les disciplines sous voile, les disciplines en chute. Moi, en discipline sous voile, je fais de la précision d'atterrissage. L'idée, c'est d'atterrir au centre d'une cible qui fait... Ah bah ça sera parfait, merci. Donc là, au centre de cette cible, on a le point d'impact, le point jaune, qui fait l'équivalent d'une pièce de 10 centimes d'euros. Donc l'idée, c'est d'atterrir au centre. Mes parents faisaient du parachutisme. Mon père était ancien militaire parachutiste. Il a créé l'école d'Aix-en-Provence. À l'issue de mes premiers Jeux mondiaux militaires en 2015, j'ai été la plus titrée sur tout sport confondu en fait. Le Centre National des Sports de la Défense m'a proposé un contrat avec la gendarmerie et nous avons les mêmes valeurs, le respect des autres, l'abnégation et le dépassement de soi. Pour moi, le sport, c'est une passion, c'est des échanges, c'est des rencontres. Il faut être courageux quand même, c'est pas anodin de sortir d'un avion qui fonctionne. Mais une fois qu'on sort de l'avion, qu'on quitte la porte, c'est vraiment une sensation de liberté et c'est génial. Et à partir du moment où on le fait, on comprend pourquoi les oiseaux chantent.